Hey yo tout le monde, c'est Mister Pico, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve sur Zelda pour cet épisode. Épisode 8 il me semble, si je me trompe pas. Donc la dernière fois nous étions arrêtés après avoir fini la mission donnée par Fire-On, l'esprit de la forêt. Esprit de la lumière plutôt, qui était de retrouver tous les cristaux de lumière. Donc on les a retrouvés. Donc on les avait retrouvés et on devait aller au temple. Bien, je crois que les armes que j'ai eu tant de mal à obtenir pour toi vont enfin être utiles. Je pense que tu le sais déjà, mais tu dois donner des coups d'épée avec B et te protéger avec ton bouclier avec Z, L. Mais non, ne te prends pas pour un idiot. Pense à dire merci. Je l'aime pas, là, elle fait trop prétentieuse. Hop. Allez, va-t'en, méchante plante. Voilà. Donc, on s'apprêtait à faire le temple. Normalement, exactement, je peux pas. Tant que j'ai pas la clé. C'était prévu. Donc, normalement, on peut passer là-haut. Ah là là. Là où on pouvait pas passer avant. Il me semble. Hé, tu comptes aller où comme ça? Il te reste encore quelque chose de très important à faire dans le temple. Au fond de la forêt. Donc, c'est dans. Ah, c'est dans cet épisode qu'on va trouver le passage. Donc, est-ce que tu peux me donner un flacon? Bien, c'est bien ce que je pensais. Tu es le gars de Taol, hein. Je me disais aussi que tu lui ressemblais pas mal. Mais à cause de cette tunique, j'avais un léger doute. Ah, au fait, je ferai attention si j'étais toi, parce que c'est plutôt dangereux dans le coin et dans ce moment. Il y a plein de monstres par ici, alors j'ai fermé le chemin qui menait au temple sylvestre. Oh, mais peut-être que tu voulais y aller. Voilà, c'est lui qui nous donne la clé. Tu as l'air équipé pour... Tu me diras, tiens, je te la donne. Vous recevez une petite clé, elle ouvre le portail de la forêt de Fire-On. Tant que j'y pense, dans la forêt, de l'autre côté de la grotte, il y a un sacré brouillard ces derniers jours, sans lanterne. Tu y verras rien. Si tu as l'intention de t'aventurer plus loin dans la forêt, il te faudra même des réserves d'huile. Ça tombe bien, j'ai une super offre, une super promotion en ce moment, un flacon plein d'huile pour 100 rubis. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Donc on a que 68 rubis, donc on refuse l'offre, mais on revient, donc on va fermer les rubis, hein. De toute façon il faut qu'on ait les 100 rubis parce que on a rien. Donc petite ellipse, je récupère mes rubis et on se retrouve. Donc j'ai eu les 100 rubis, voilà. Et on obtient le flacon d'huile. Donc pourquoi j'ai fait ça, c'est tout simplement pour avoir le flacon. Une fois vide, tu pourras utiliser le flacon pour transporter des tas de trucs, tu verras. Bon, ben, serre-toi souvent de la lanterne. Et si jamais tu tombes en rade, reviens m'acheter de l'huile, d'accord? Donc, au moins, on sait que... Attendez, c'est pas là-haut. Au moins, on a pris de quoi... Bon, on a gagné un flacon, quoi. Vous allez pas me casser les pieds. Hop, on va ouvrir ça. Et on y go. Donc toi tu vas me casser les pieds, je le sens. Voilà. Voilà. On les extermine tous. Allez, allez, Link.
prend des dégâts. Tant pis. Donc, hop. C'est vrai, vous sur YouTube, vous devez rien voir avec l'image. Dans la grotte, vous devez rien voir. Oh, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave. J'en ai pas pour 3 heures non plus. Hein. Donc normalement, hop. Voilà. Et on devrait pouvoir passer. Sauf que voilà, le singe nous pique. Oh, le méchant. Le méchant. Viens, viens mon ami, viens, viens avec moi, s'il te plaît. Je vais te trouver le chemin. Qu'est-ce qui lui prend? Et toi, tu peux pas faire attention? Tu n'as plus de lanterne maintenant. C'est bon, sois pas méchante. On va aller attraper. Si on n'a pas le droit de l'attraper. Regardez, on peut pas l'attraper. Non, faut la suivre. Donc à l'heure que je vous tourne les premières images de l'annonce des Pokémon Sun et Moon sont sorties. Oui, je vous le dis, ça n'a aucun rapport, mais j'ai roulé sans faire exprès, excusez-moi. Donc Sun et Moon sont sortis, je suis très impatient. Je vous donnerai mon avis sur la série qui convient. Donc la série qui va pas tarder d'arriver. Une série bonus pour vous. En plus que le Pokémon Méga Donjon Mystère. Et oui, je vous prépare une grosse série qui va tout rénover. Et je vous en parlerai plus en détail sur mes avis sur Sun et Moon à ce niveau-là, mais je sais pas encore quand je vais la diffuser la série. Donc voilà. Attendez, ah, je fais l'erreur de appuyer sur A au lieu de B. Je pense que c'est l'habitude des anciens jeux. Avant, t'appuyais toujours sur A pour attaquer et B pour sauter. Du coup, c'est ça. Non, je sais pas me trouver des excuses. Non, non, arrêtez de dire ça. Je me cherche pas des excuses. C'est faux. Allez, petit singe, dépêche-toi. Fais disparaître ta fumée. Je me marre du singe. Voilà, c'est bon. Vas-y. On fait quoi? C'est par où? À droite? Non, à gauche. Je te suis. Tout doucement, mais je suis derrière toi. Je suis là, c'est bon. C'est toi qui avance pas. Par le petit tunnel? Oh, comment je suis trop fort. Allez. Mais c'est bon, allez, dépêche-toi. On n'a pas que ça à faire. Tu pars par où? Ok, d'accord, t'es chelou toi comme singe. Allez, va-t'en. C'est bon. Elle est plus là, la méchante plante. Cinématique, elle se passe ou pas? Ouais, il faut que je rentre. Qu'est-ce que tu comptes faire à propos de ce singe? Tu t'es fait piquer ta lanterne, je te signale. Alors rattrape-le. Pfff, elle est chiante. Je me pose le dame. Ah, c'est parce qu'il était pas monté. Oh, espèce de singe, va. Ah là, et là, elle va me balancer la lanterne. C'est compliqué. Donc là, je vais pouvoir récupérer ma lanterne.
Ouhou, enfin. Attendez, je la récupère. Merde. C'est pas. Récupère là. Mais non, mais ah. Ah là. Vous récupérez votre lanterne. Alors, par là. Hop, on passe par là. On passe par là. Des goulooms. Et hop, on récupère les rubis. On récupère le cœur. Donc, le pont qui est cassé, qu'on peut pas passer, bien sûr. Ce serait trop facile sinon. Donc voilà, là, l'oiseau. Qu'est-ce qu'on va te récupérer? Bah, rien, parce que. On n'a pas de. De truc. On n'a pas de rubis. Ah! Attends, hop, on a récupéré des rubis. Donc, on est à 6. Qui est-ce? Un loup. Ah, il nous attaque! Non, c'est fait exprès. Le loup doré. Très beau spécimen. Eh oui. Allons lui parler. Qu'as-tu à nous dire? Mais parle-lui! Voilà, il fallait l'attaquer en fait. Une lame sans courage et une lame impuissante. Tu es celui que les vicissitudes du destin ont désigné comme héros. Mais ton inaptitude matinale est une disgrâce au vert. Que tu abhorres. Le courage est vain sans force, mais sans courage la force n'est rien. Il te faudra ces deux qualités pour mener la quête à bien. Si tu désires trouver le courage et secourir Hyrule, menacé par ces immenses périls, tu dois survivre mon enseignement et apprendre les bottes que je puis te transmettre. Allez! Bottes du coup de grâce. Donc, ouais, c'est quand on va te faire serrer à terre, ça. Un ennemi robuste ne pourra être que mis à terre par des coups. Il se remettra vite debout et viendra aussitôt tenter de t'oxyre. Le coup de grâce permet d'achever un ennemi évanoui alors qu'il ne reprenne ses esprits. Ses esprits. C'est une botte mortelle. Pendant que ton ennemi est à terre, évanoui, fixe-le de ZL et presse sur A pour te jeter dans les airs avant de retomber et lui porter le coup de fatal. Lorsqu'il te sera possible d'achever ainsi ton adversaire, tu feras A. Coup de grâce, flotter devant ses yeux. Vas-y, montre-moi ce que tu as compris, si tu as compris. Ouais, mais t'as une épée surdimensionnée, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, attendez. Ah, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, coup de grâce. Ah, voilà. Voilà, j'ai cru qu'il avait eu un petit souci. Ton attaque fut une précision satisfaisante. Reste toujours à l'affût d'une occasion de porter ce coup de grâce avec A. Tu as maîtrisé le coup de grâce. Tu as appris le coup de grâce. Mets ton ennemi à terre, fixe-le avec ZL et presse le bout sur A pour l'achever de ce coup fatal. Il te reste encore 6 bottes à maîtriser. Seul et digne de ces techniques, celui dont les veines charrient le sang du héros, celui en qui réside l'esprit d'un noble animal. Que croise
ta puissance, que gonfle ton courage. Et lorsque le moment sera venu, reviens en ces lieux pour ton prochain enseignement. Tends l'oreille et trouve le vent qui appelle l'esprit de la bête à travers la pierre. Trouve sur le mont et reviens te représenter devant moi. Et n'oublie jamais, une lame sans courage et une lame impuissante. Adieu. Bah non, au revoir, on va te revoir. Il est débile. Forêt de Firan. Donc, elle veut même pas me parler, tant mieux. Hop. Du coup, on va déséquilibrer. Hop. Hop. Donc, attendez. Toi, on va te replacer sur X. Hop. Bien sûr. C'est à prévoir. Donc, X. Après. Donc, oh, trop bien la petite cinématique pour dire il est en train de renvler. Hop, on crame ça. On sort. Et voilà. Donc là, on va se faire embêter. C'est pour ça que je veux faire ça maintenant. Non, c'est bon. Bon, les gens, on va se laisser là. Après le combat de cette chauve-souris. Donc, restez comme vous êtes génial. On se dit dans un prochain épisode. Je sais plus quel épisode que c'est, du coup, je pourrais plus vous dire. Donc, à dans un prochain épisode. Et on se dit, restez comme vous êtes super. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour plus de vidéos. Allez. Bye tout le monde.